Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne particulièrement les candidats au BEPC, CAP, Industriel, Probatoire A, C, D, BT, TI, F, Baccalauréat A, C, D, BT, TI, F. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Chente Dimfo, PLEC en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur le réseau informatique. Deuxième partie, nous serons amenés à étudier les services Internet, la cybercriminalité, les réseaux sociaux et plein d'autres choses. La première partie sur les réseaux est déjà publiée dans cette page. Et à chaque fois que vous voulez consulter les cours disponibles sur cette page, il suffit de cliquer sur Recherche sur votre Facebook. Vous saisissez Leader en info, puis vous validez. Rassurez-vous que vous me verrez en chapeau sur le profil avant de valider. Une fois dans la page, naviguez pour consulter les cours en fonction des classes et en fonction du programme que j'avais donné. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste en haut de la vidéo sur s'abonner et après avoir consulté la vidéo, clique en bas sur partager et n'oublie pas de laisser un commentaire. Dans cette nouvelle vidéo, donc, comme je disais, j'ai fait une synthèse de plusieurs leçons qui sont très intéressantes. Alors, suivez mon regard. Alors, nous allons d'abord prendre un petit énoncé là. Votre grand-mère fait appel à vous pour l'aider à utiliser Internet. Sachant qu'elle n'a aucune barre sur l'utilisation de cette technologie, présentez-lui de manière détaillée l'intérêt, le mode de navigation et les méfaits d'Internet. On dit que votre grand-mère veut, donc, de manière, si je veux paraphraser ou bien je veux résumer, on dit que votre grand-mère a besoin de vous pour maîtriser Internet. On sait que nos grand-mères, même moi je suis concerné, hein, n'ont pas fait l'école de l'informatique, elles ont fait l'école de l'époque. Ça veut dire qu'il faut qu'on choisisse un bon plan détaillé dans ce cours pour lui permettre vraiment de connaître Internet en commençant. Alors, il y a notre camarade donc qui est devant nous, c'est ce monsieur, qui nous propose un bon plan. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Les notions de base sur Internet, très bien. La cybercriminalité ou cybersécurité, les services offerts par Internet et enfin, on va parler des réseaux sociaux. Alors, premier point, les notions de base sur Internet. Alors, nous allons travailler avec nos amis hein, dans notre vidéo, vous comprenez? Alors, nous avons notre ami donc, qui est inquiet, qui se pose des questions. Quelles sont les trois notions de base qu'on va évoquer ici? Alors, il pense qu'il y a Internet, alors il a raison. Il y a Intranet qu'on va également parler. Il y a également la notion de FAI. Alors, qui peut répondre à ses préoccupations? Il y a ce monsieur à droite qui a levé le doigt. Alors, il nous dit donc, ce monsieur à droite, que Internet d'abord, c'est quoi? C'est un réseau mondial permettant de relier les ordinateurs et offrant de multiples services. C'est clair. Vous voyez, il y a le mot-clé. C'est un réseau mondial qui relie quoi? Les ordinateurs. Donc, ça veut dire relie dans le monde, en fait. Et qui offre des multiples services. Ça, c'est la définition, c'est complexe. Ensuite, nous avons deuxième élément encadré là, intranet. Intranet est un réseau informatique local propre à une entreprise. Donc, c'est un réseau qui est propre à une entreprise, donc interne. On va voir tout à l'heure à travers le schéma que vous donne en bas, on va mieux comprendre un peu. Alors, regardons ici notre flèche à gauche, notre flèche qui indique à gauche, Internet. Alors, vous voyez que sur le niveau d'Internet là, les ordinateurs sont autour. Donc, c'est pour dire que c'est le monde. Autour est relié par un point central. Donc, tous les ordinateurs sont connectés dans le monde par Internet. Et ce milieu-là, donc, également, c'est représenté Internet et permet d'offrir des services que nous allons voir par la suite, c'est que c'est, quels sont les services-là dans notre vidéo. À droite, nous avons un ensemble d'équipements, un ensemble d'éléments d'une entreprise. Là-bas, c'est dans l'entreprise. C'est-à-dire, exemple, on peut avoir Express Union. Je prends toujours Express Union. Express Union, c'est une entreprise camerounaise. C'est tout bien de parler des entreprises camerounaises. Évitons de parler des choses qui ne sont pas camerounaises. Donc, Express Union, par exemple, nous allons voir que tout dans une structure, on peut avoir des ordinateurs de différents bureaux, c'est-à-dire le directeur, le comptable, la caissière, tout ça, tout ça. Tous sont reliés, peuvent communiquer donc par leur bureau, par leur ordinateur. Là, on dit d'un réseau interne, parce que ce n'est que dans Express Union. Donc, les ordinateurs sont connectés entre eux. On parle de réseau local, propre à une entreprise, c'est interne. Alors, ensuite, nous allons parler de notre élément FAI, juste à droite, que vous avez vu encadré. Alors, d'abord, donner quelques exemple de FAI. FAI, c'est quoi? C'est fournisseur d'accès à Internet. Au Cameroun, donc, on peut avoir, voilà le schéma là,
Orange, MTN, Camtel, Nextel. Il y en a d'autres, hein. Il y en a Yumi aussi, il y a Ringo. Bon, je parle des cas les plus connus. Alors, nous avons également parlé de donner le nom de l'équipement utilisé par le FAI pour fournir Internet. Alors, si on veut avoir accès à Internet, on a besoin de quoi? Du modem. Alors attention, attention. Parce que je dis modem, les gens voient ce que j'ai illustré avec le schéma. N'oubliez pas qu'on dit modem, c'est pas seulement ça. Même votre téléphone que vous utilisez présentement pour suivre cette vidéo est un modem parce que c'est par ce téléphone que vous avez la connexion Internet. MTN vous donne la puce et par votre téléphone qui est le modem, vous avez accès à Internet. C'est tout. Bien, nous évoluons. Nous allons aborder la deuxième fois, la cybercriminalité. La cybercriminalité. Alors, quand on dit cybercriminalité ici, c'est, en d'autres termes, ça fait partie des inconvénients d'Internet. Parce que dans la cybercriminalité, nous allons voir qu'il y a des actes qu'on commet qui sont liés, donc qui sont considérés comme les inconvénients. Alors, on est toujours notre ami qui est toujours inquiet, ce garçon. Vous voyez sa tête, c'est un tamou en fait. Il est inquiet, c'est parce que c'est que la cybersécurité. Il y a notre demoiselle à côté qui va répondre. Elle va nous dire que la cybersécurité est l'activité qui consiste à utiliser les systèmes et réseaux informatiques en général et l'Internet en particulier pour poser des actes criminels ou proscrits par la loi. Ça veut dire que quoi? Regardez bien, Internet est en rouge. Ça veut dire que c'est particulièrement sur Internet que ces choses se passent. Tous les actes qu'on applique, tous les actes qu'on commet sur Internet, généralement, ce sont des actes qui sont proscrits par la loi qu'on commet sur Internet. Ce sont des actes qu'on appelle les actes criminels. Et celui qui commet l'acte, on ne l'appelle pas un criminel, mais on l'appelle un cybercriminel. Lui, c'est un cybercriminel parce qu'il est sur Internet. Tout à l'heure, je vais vous démontrer à travers ce que, les actes que je vais vous présenter tout à l'heure, que ce qui est ici, au moins 90% d'entre nous, même moi et compté, nous sommes tous des cybercriminels. Regardons bien. Quels sont donc les actes de cybercriminalité? Alors, premièrement, la pédopornographie. Pédo veut dire quelque chose. En fait, une relation sexuelle entre deux personnes de même sexe, hein, c'est ça. Et pornographie, vous comprenez. Donc, quand quelqu'un poste ce genre de vidéos proscrites par la loi, ça fait partie d'un acte civil, un acte criminel. Il y a la contrefaçon. Vous savez ce que c'est que la contrefaçon? C'est-à-dire, toujours faire le contraire, c'est-à-dire essayer de faire le duplicata de ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Aller, au lieu d'aller acheter ce qu'il faut faire, par exemple, un CD, au lieu d'acheter un CD quelqu'un, sur Internet par exemple, au lieu de télécharger, prendre des logiciels pour télécharger de manière frauduleuse, sans pas de la contrefaçon. La propagation des virus, oh là là, Internet alors c'est le fief, comme quelqu'un dit en langage du quartier, c'est l'endroit où on contacte plus les virus. Donc c'est une, il est important de toujours mettre l'antivirus de sa machine à jour pour éviter cela. Le blanchiment d'argent, très bien. Il y a des gens qui blanchissent l'argent sur Internet. La propagation des logiciels malveillants, oui, sur Internet, tous les logiciels qu'on télécharge gratuitement, il y a les logiciels malveillants, on les appelle les logiciels zombies. Ou des logiciels, généralement, des logiciels zombies. Bien, on a également l'escroquerie d'argent en ligne, vous voyez. Les gens qui se font arnaquer. On parle de scamming. Quand vous entendez scamming, c'est l'escroquerie d'argent en ligne. On a l'usurpation d'identité, le phishing. Ce qu'on dit en phishing. L'usurpation d'identité, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je peux, par exemple, utiliser le profil comme actuellement ma page, utiliser ma photo. Si quelqu'un peut créer sa, usurper mon identité, c'est-à-dire qu'il crée sa page en utilisant ma photo, mais sur sa page, ça, c'est usurper l'identité. Si vous utilisez la photo de quelqu'un d'autre sur votre photo, c'est une usurpation d'identité. On peut usurper l'identité, faire une usurpation pour arnaquer les gens, par exemple. Alors, on a l'atteinte à la vie privée des personnes. Ah oui. C'est très grave. Hein. Quand vous publiez la photo de quelqu'un sans son consentement, vous avez atteint sa vie privée. Parce que lui ne voulait pas être visible sur Facebook. C'est là où tout le monde est concerné. Pour vous qui suivez cette vidéo, beaucoup publient toutes les photos avec des autres à côté. Et vous avez demandé leur avis? Non. Beaucoup. La plupart des cas, non. C'est une atteinte à la vie privée de quelqu'un. Vous avez publié, vous avez exposé sa vie. Il ne veut pas. Peut-être c'est même un one-tête. Peut-être on le recherche. Qui sait. Vous avez exposé sa vie. Alors vous avez l'inondation des courriers indésirables. Alors là, pouvoir avoir, ça veut dire que quelqu'un qui décide d'envoyer des courriers à tout le monde, des messages, dans quel but, quel est le but, quand on appelle ça spamming, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut faire par exemple des publicités, il vous force à lire des messages que vous ne voulez pas, ou il peut même vous arnaquer avec. Bien,
Alors, toujours notre Tamon, qui est à gauche, j'appelle un Toto, tout ça, c'est ça. Il est inquiet, il veut savoir maintenant ce que c'est que la sécurité. Alors, notre fille à côté, elle s'appelle Leader. Leader en informatique, c'est une leader, ça, en fait. Alors, elle répond donc, disons, la cybersécurité est l'ensemble des outils et des processus de sécurité utilisés pour la protection de l'environnement numérique. Oui, c'est l'ensemble des méthodes. Quelles sont ces méthodes dedans? On se pose des questions. Alors, première méthode, pour lutter contre la cybercriminalité, donc il faut effectuer des sauvegardes régulières des données. Ça veut dire que tu sauvegardes, ça veut dire quoi? Tu prends tes données, tu copies dans la clé, tu copies dans le disque dur, et ainsi de suite. Donc, tu mets ça un peu de partout. Tu dupliques ça. On appelle ça dupliquer. Tu sauvegardes. On peut également sauvegarder en ligne. Donc, tu mets ça, tu gardes sur Internet. On appelle ça le cloud. Le cloud, c'est L-O-U-D, si vous voulez. C'est une technique de stockage des données en ligne. On peut faire une sauvegarde dans le cloud. Autre chose, identifier les applications vulnérables et les désactiver. Oui, les applications sur les logiciels que vous trouvez vulnérables, qui logiquement ne sont pas à jour, les choses comme ça. Vous les désactivez parce que c'est un danger aussi pour votre machine. Alors, il y a adopter les configurations sécurisées reconnues. Oui, il y a les configurations sécurisées de Windows. Quand vous installez votre Windows, il y a les configurations recommandées. Généralement, ne désactivez pas ça. Il faut tout laisser activer. Il y a fait une mise à jour régulière des applications. Oui, votre ordinateur doit être toujours constamment connecté à Internet pour que les applications soient à jour. C'est très important. Il y a également utilisé des mots de passe complexes. Quand on dit qu'est-ce qu'un mot de passe complexe? Un mot de passe complexe est un mot de passe composé des chiffres, des caractères et des symboles, des caractères spéciaux. Ça peut dire point d'interrogation, point d'exclamation, guillemets, et ainsi de suite. On a également activé le pare-feu. Oui, le pare-feu est un logiciel qui permet de protéger votre ordinateur contre les pirates sur Internet. Troisième point, les services offerts par Internet. Alors, quels sont les services qu'Internet vous offre? Ah oui, sur Internet, il y a ce qu'on appelle le e-commerce. Ou le commerce électronique. Regardez bien ce schéma. Vous voyez qu'à partir de votre tablette, vous pouvez vous acheter le téléphone, la voiture, ainsi de suite. Il y a également donc qu'on peut acheter plein de choses sur Internet, comme ce que faisait Jumia, qui n'est plus au Cameroun, malheureusement. On peut s'acheter des choses, on peut commander les choses à la maison. Je peux rester ici, je commande de la nourriture, on vient me livrer. Je commande de telles choses, on vient me livrer. Ça permet de lutter, même quand ça permet d'être de se confiner, comme nous sommes actuellement. On peut acheter des choses à la maison, sans se déplacer. Bon, au Cameroun, peut-être les choses ne fonctionnent pas encore ici, mais à l'étranger, c'est comme ça que ça marche. Vous comprenez, non? Alors, nous avons le e-learning, ou l'apprentissage en ligne. Oui, on peut étudier en ligne, non? On peut étudier sur Internet. C'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez un peu ce monsieur. Il est assis devant sa machine, il étudie en ligne, il se forme en ligne, il écoute les cours en ligne, il apprend chez lui. Oui, vous qui me suivez qui regardez cette vidéo, oui, vous êtes en mode e-learning parce que vous êtes chez vous. Je parie que la plupart des personnes ici sont chez eux ou bien dans un marché. Certains sont assis dans leur aux toilettes même en train d'étudier. Oui, le e-learning veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être à l'école. On peut étudier à partir de son outil informatique. Téléphone, tablette, ordinateur, sauf si on a la connexion Internet. Là, lisant la vidéo, c'est du e-learning. Alors, nous avons également le chat ou discussion en direct. Ah oui, les délinquants, les gens qui aiment beaucoup blaguer là, qui disent que chat et la chatte. Non. La chatte, c'est un mot sauvage. Ici, chat, c'est la discussion en direct. C'est ça qui est dit là, ou discussion en direct. C'est ce qu'on fait généralement sur Messenger ou sur WhatsApp quand vous communiquez avec quelqu'un. Regardez ce schéma, vous allez voir par exemple deux personnes qui communiquaient là. On a également la vidéoconférence, oui. Aujourd'hui, la visioconférence, regardez ce schéma, vous allez voir plusieurs personnes qui sont connectées. Et une personne en train de parler, les autres écoutent et ils sont en train de voir aussi les autres. On utilise la visioconférence, par exemple, pour faire des réunions. Par exemple, dans le cas du confinement, par exemple, dans le monde actuellement, le monde fonctionne qu'en mode visioconférence dans les entreprises. Les gens sont chez eux, ils communiquent, ils travaillent en ligne. Ils font des visioconférences, font les réunions en ligne. Voilà. Alors, on a également le téléchargement ou download. Oui, vous voyez le symbole du téléchargement. C'est pour téléchargement ici, c'est transférer un fichier d'un ordinateur, d'un serveur ou bien d'Internet vers votre ordinateur. Et on peut avoir le courrier électronique. Vous voyez ce schéma. Le courrier électronique permet à quelqu'un sur Internet d'envoyer un courrier à quelqu'un d'autre. Un message ou un email. Un mail en partant. Un mail. Le mail, en fait, c'est un ensemble constitué des messages, des vidéos, des fichiers, des photos, tout ce que vous pouvez joindre là. Et pour le faire, il faut avoir une boîte email.
sur Yahoo, bien sûr, Gmail. On peut même aussi citer la téléphonie IP. Téléphonie IP permet d'appeler par WhatsApp, par exemple. D'appeler par Messenger, on peut faire des appels sur Internet. On peut me parler du web. Bien, autre chose, quatrième point, les réseaux sociaux. Très bien. Les réseaux sociaux, notre ami, comme d'habitude, hein, il est toujours inquiet. Il se dit, c'est quoi un réseau social? Alors, la leader en informatique vient, oui. Elle nous propose qu'un réseau social est un ensemble d'individus ou d'organisations reliées par des interactions sociales régulières. Oui, ensemble d'individus, vous et moi, vous qui êtes connectés là. C'est ça, un ensemble. Mais quel genre? Des personnes qui ont des liens, par exemple, on crée un groupe WhatsApp des enseignants. Vous voyez, là, ça veut dire qu'ils ont une interaction sociale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les lie? Quel qui les lie? C'est le fait d'être enseignant. Ça peut être un groupe d'enseignants d'informatique. Là-bas, ils échangent seulement entre eux. C'est ça qu'on appelle réseau social. Par exemple, sur Facebook, on est réunis par affinité. C'est-à-dire, quand vous êtes relié par les amis, non? Cliquez sur amis, vous cherchez les amis. Et quand vous publiez vos amis, vous voyez, c'est ça l'affinité. C'est ça l'interaction sociale régulière. Alors, sachez donc qu'il y a les types de réseaux sociaux. Je n'ai pas dit les exemples. Il y en a les types. Alors, le premier type, il y a le type de ce qu'on appelle réseaux sociaux professionnels. Là-bas, on peut par exemple chercher l'emploi. Hein? Exemple, nous avons par exemple Ving. Chaque fois que je donne un exemple, il faut regarder le logo. Hein? Ving, VX, là c'est pour Ving. On a par exemple LinkedIn, représenté par IN. Autre type, il y a les réseaux sociaux de musique. Si vous voulez télécharger vos musiques, pour aller par exemple sur Deezer, qui est un réseau social de musique. Il y a par exemple Apple Music. On a les réseaux sociaux de partage de photos. Si vous voulez partager vos photos seulement, vous allez sur Instagram. Il y a Google Photos. Il y a les réseaux sociaux de vidéos. Il y a Vimeo. Oui, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux de messagerie, et bien évidemment, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Skype, il y a Viber, et les réseaux sociaux généralistes. Alors, j'explique un peu généraliste. Généraliste veut dire qu'on peut faire plusieurs tâches. On peut utiliser pour faire la messagerie, en même temps, sur Facebook, par exemple, vous pouvez m'écrire, non? Sans avoir Messenger, c'est possible. Vous pouvez télécharger. Que je te fais vous donner une photo, c'est possible. On peut regarder les vidéos, c'est possible. On peut même chechercher l'emploi parce qu'il y a souvent les groupes qui permettent de rechercher l'emploi sur Facebook. Alors, ça veut dire qu'il y a par exemple Facebook, il y a Twitter, il y a Snapchat. Ça, c'est quelques réseaux sociaux généralistes. On va évoluer. Alors, notre ami s'inquiète toujours. Il veut savoir, pendant que notre camarade a la réponse, même sans savoir ce qu'il veut savoir. Les fonctionnalités ou les services des réseaux sociaux. Quelles sont les fonctionnalités? On est sur les réseaux sociaux, pourquoi? Quelles sont les fonctionnalités? Premièrement, permet de partager les contenus des tiers. N'est-ce pas? Les contenus des tiers, c'est quoi? On parle de vidéos, photos provenant des médias ou des célébrités. Les tiers sont des personnes particulières ou bien des médias. Une célébrité, par exemple, bon, je parle pas de moi, je ne suis pas encore célèbre. Il y a par exemple Samuel Eto'o. Excusez-moi de parler de lui, mais c'est une célébrité. Une fois, il peut créer sa page et il partage ses publications. Les gens sont au courant. Ça, c'est un exemple. Il y a par exemple Canal 2 qui est un média. Autre chose, il y a le partage de productions personnelles. Bon, personnel, c'est vous et moi. Vous décidez de partager vos vidéos, partager vos photos. C'est ce qui se passe maintenant en mode de confinement. Non, les gens sont chez eux, ils font des photos, des vidéos, ils lancent sur Facebook, ils lancent sur WhatsApp. Il y a les blagues, les émotions, les sentiments. Oh là là, on peut partager ses sentiments, mais je ne vous conseille pas. Hein. Sentiments, c'est personnel. Il faut faire ça à la maison. Alors, nous avons des interactions simples. C'est-à-dire, quoi? Quand tu cliques sur j'aime, comme tout à l'heure à la fin de la vidéo, là, je sais que vous avez aimé la vidéo. Ouah, vous cliquez sur j'aime en bas. J'aime, ça c'est ce qu'on appelle une interaction simple. Si vous ne cliquez pas, c'est qu'on n'a rien compris du coup. Alors nous évoluons. Des fonctions de messagerie de groupe. Fonction de messagerie de groupe permet d'échanger facilement avec plusieurs personnes par groupe affinitaire. Hein? C'est-à-dire qu'on peut créer un groupe WhatsApp, on publie, les autres, tout le monde voit. Donc c'est une affaire de groupe. Alors nous allons passer à autre chose. Toujours notre ami. Toujours inquiet, il est inquiétant. Hein? Alors notre ami la solution. Les risques ou dangers des réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Quels sont les dangers? Quels sont les inconvénients des réseaux sociaux? Premièrement, vous allez voir que il y a des vecteurs. Les réseaux sociaux sont des vecteurs de désinformation et de déstabilisation. Exemple, les fausses informations. Il y a tellement de fausses informations sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de source. Les gens disent n'importe quoi. Et on peut déstabiliser un pays. Quand on dit, quand par exemple, les gens disent qu'un chef d'État peut être, on peut dire qu'un chef d'État est décédé alors qu'il est vivant. Ça, c'est une fausse. Ça, c'est une déstabilisation d'un pays.
Bon, je ne vais pas entrer en profondeur, vous comprenez mieux de quoi je parle. Alors, suivant mon regard, on a l'abus de liberté d'expression. Oh là là, c'est ce que vous tous vous faites, injure, diffamation. Diffamation, c'est déformer une information, en fait. Alors, il y a ce genre de choses. Le fait que quand les gens ont la liberté, ils disent n'importe quoi. Mais attention, c'est un inconvénient, c'est même condamnable par la loi. Il y a également le harcèlement en ligne. Oh là là, quand vous êtes une belle femme et que vous mettez votre photo, vous êtes vraiment belle. Il y a des garçons qui passent le temps à vous harceler. Il y a l'usurpation d'identité, j'ai déjà expliqué ça. Il y a la perte de temps. Ah oui, ça concerne beaucoup les élèves. Ouf! Un gars fait son planning d'études, alors il ne respecte pas parce qu'il est sur Facebook tout le temps. Oh, et perte de concentration. Oh là là. Sachez que désormais, je lutte contre ça. Grâce à mes vidéos, ce ne sera plus une perte de temps. Vous allez étudier. Oh ah! Bien, on évolue. Le bonus que je vous offre dans cette vidéo, c'est de savoir. Comme d'habitude, votre ami pose la question, la fille répond même sans savoir de quelle question il parle parce qu'elle est tellement intelligente. Alors, il veut savoir, c'est quoi une bande passante? Une bande passante est un volume maximal de données qui peut être transféré d'un point à un autre dans un réseau et qui se mesure en bits par seconde. Volume maximal veut dire que c'est la quantité qu'on ne peut plus dépasser. Donc, c'est le max, comme vous entendez, le maximum. Quand tu mets l'eau dans la bouteille, elle se remplit, on dit que c'est max. Donc, c'est la quantité maximale, le volume maximal qui peut être transféré des données. Alors, maintenant, pendant ce temps, le débit est le volume de données qui peut être transféré d'un point à un autre dans un réseau à un instant donné. Vous voyez, ici, il n'y a pas maximal dessus. Essayez un peu de comprendre à travers le schéma en bas là. Regardez un peu ce robinet 1, regardez ce robinet 2. Vous voyez donc au robinet 1, regardez là où c'est entouré. L'eau ici coule un peu, n'est-ce pas? Et à la deuxième, là, l'eau coule max. Donc, on a ouvert le robinet à fond. L'eau coule comme ça, on ne peut plus. La quantité d'eau est maximale. Donc, on ne peut plus avoir plus que ça. Alors, on va dire que là où ça coule de manière maximale, là où on peut trouver, c'est la bande passante d'eau. Alors, l'autre, c'est le débit d'eau parce que ça coule, l'eau coule à un instant T. Donc, si tu ouvres un peu, ça coule. Tu ouvres encore un peu, ça coule. Donc, il n'y a pas un volume précis. Là-bas, c'est max. On ne peut plus dépasser. Donc, en termes d'eau, c'est la même chose avec l'informatique. Là-bas, on peut te parler de bande passante des données. L'autre, c'est volume débit des données. Donc, ici, on va dire, par exemple, c'est un débit. Là, c'est une bande passante. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment calculer le débit de données est égal à la taille du fichier divisé par le temps. Exemple, supposons que vous téléchargez un film de capacité 500 Mo en 1 heure. Calculez le débit. Bon, on sait que le temps s'exprime en secondes. Donc, 1 égale à 360 secondes. Le débit sera égal à la taille du fichier qui est 500 Mo divisé par 360 secondes, qui vous donne 1,38 Mo par seconde. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je vous conseille, donc, comme vous voyez, comme d'habitude, la collection Le Leader. Vraiment, c'est le numéro 1 sur le territoire national. C'est une collection qui concerne toutes les classes du jamais vu, le Wanda Foot, de 6e en terminale enseignement général, de première année en terminale enseignement terminé, première TI, terminale TI. Les cours sont de qualité, ce sont les professionnels en informatique qui ont établi ce bord. Cours de qualité, exercices de qualité. APC respecté et le type examen. Depuis des années, les gens trouvent leur compte. Ça fait 8 ans existant. Je ne fais pas trop de commentaires. Ça se retrouve dans les librairies. Yaoundé Douala, Bafoussam Tchang. On peut aussi m'écrire sur WhatsApp pour savoir où on peut trouver ça si vous ne savez pas exactement dans quelle librairie. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà ça. Écrivez-moi si vous avez besoin. Bien, pour ceux qui vous désirent consulter toutes les vidéos, restez abonnés sur la page Leader en info. N'oubliez pas de partager. Et si toi qui n'es pas abonné, clique sur s'abonner. N'oublie pas, mon frère, partage. Je sais que tu as aimé. À bientôt, à bientôt. Votre prof, votre grand prof, toujours pour vous servir.